Ok, le monde d'Avoaking. Voyons ça. Acte 1. Ombre persistante. Darren, avec son look jeune gothique souriant manga. Bien le bonjour, voyageur. À qui ai-je l'honneur? Au gardien d'Ursk. Vous dites venir d'un autre monde. Voilà qui me paraît bien suspect. Je n'ai d'autre choix que de vous barrer la route. J'aurais aimé que Grom combatte à mes côtés, mais... Ah, Tarja, d'où est-ce que tu sors? Est-ce que tu étais encore en train de me suivre? Enfin, peu importe. Tu vas pouvoir m'aider à arrêter cet individu louche. Let's go! Eh ben, ma gueule. Non, mais je sais pas. C'est pas que je vais passer pour le moment. Voilà. Yes. Et tu vas le booster un peu. Ready to move. Tu vas te mettre okay. Là. Et toi, tu vas te mettre là. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est normal, c'est Tarja. Bah, j'ai envie de dire. Tarja, plutôt pas mal. Hein. Voilà ce qui nous sort à la merde. Let's go. Voilà. That'll cure you up. Hmm. Bah. Enfin. Okay. My turn. On va pas aller jusqu'à Tarja. Tarji la gueule, voilà. Let's go. Sympa d'être venu. Voilà le travail. Vous avez réussi à contrecarrer ma stratégie incroyable. Je dois avouer que votre stratège sait se défendre. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac que de nombreux autres alliés qui se battront pour la bonne cause. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Maintenant, au moins 4 hacks inutiles. Vous connaissez. Merde, vous c'est... Oh,
Ah bah il a pris pour tous les autres, c'est la merde. Ouais. Voilà, ça s'est réglé. On va même pouvoir bouger deux fois. Expose-moi en ride. Let's go. C'est ça, allez. Maintenant, yes. Explose-moi celui-là. Est pris en tenaille, hein, c'est pas de la merde. Oh, oui. Adieu. Alors, bataille 3, c'est parti. Un peu là. Let's go. Intérieur est piqué comme un. Onward.
tout va bien se passer. My turn. Est-ce qu'il nous sauve? Yes. Let's go. C'est bon, on a une spéciale, ça va bien se passer. We will triumph. On peut passer loin, hein. C'était pas passé loin, c'est... Retour du dragon divin. Ready to move. Okay. Toi, tu vas te mettre là. Let's go. Onward. Sure thing. Ready to move. Come on, show me a smile. Comme ça, j'aimerais que tu te places là. Et ouais. Ok. Ça va peut-être se passer à merveille. Parfait. My turn. Parfait. Ah bah elle a gagné. Allez, vous avez toutes les yeux des cheveux verts. Et bah c'est le dragon qui a pris, j'aurais peut-être dû la citer. Ah ouais non. Glenn là il en avait marre de servir à rien quoi. On va la rebooster une deuxième fois. Ça va attaquer deux fois. Voilà, comme ça on en a fini, c'est pas, c'est parfait, c'est très bien. L'héritier du futur. We will triumph. Ou plutôt l'héritière. Darran. Darran m'a informé du danger que vous représente, que représente votre groupe. Et donc, et de tout le mal qu'il a vécu, de tout le mal qu'il a eu à vous repousser. Il m'a surtout mis en garde contre votre tacticien. Ce qui venant de lui est loin d'être anodin. Mais peu importe qui vous avez à vos côtés, vous n'avez aucune chance contre moi.
Of course. Ok. Si tu vas le briser. Voilà. Oh, le décor est plutôt pas mal en plus. Voilà. Comme ça, tu devrais pouvoir frapper plus tard. Voilà. Temporiser. Il a répété deux fois ce foutu ninja roux. Ah, ils ont une soigneuse et ça c'est problématique. Merde. Ça c'est la baise. Ready to move. Come on, show me a smile. Onward. Ah, je peux toujours pas m'occuper de lui. Let's go. Ah, une soigneuse, ça c'est un peu la merde. Hein. Allez, défonce là. Ok, chacun son tour. Très bien. Parfait. My turn. Bute-moi celui-là. Dites-moi la yeuse. Parfait. Il a l'avantage d'alarme. Là, on est baisé. Ça va pas passer. Hein. Peut-être que non, ça va pas passer. Alors là, j'ai l'avantage de l'arme. Là, c'est la merde. Ouais. Du roulin. Of course. Onward. Tu te souviens d'elle, Andy? More than you bargained for. Ça devient vraiment plus tendax, hein, ces petites phases. Attendez, vous combattez pour notre liberté? Tout s'explique. Comment cela a-t-il pu nous échapper jusqu'ici pendant que vous nous foutiez des coups de poing dans la bouche? Que dites-vous? Vous êtes aussi à la recherche d'un ami porté disparu, un lancier du nom de Zachiar. Je suis désolé, cela ne me dit rien du tout. Sachez que tout ce que je sais, c'est à quel point il est douloureux de perdre un être cher.
J'espère sincèrement que vous et votre ami serez bientôt réunis. Toujours rien. J'arrive pas à y croire. Mais où est Zachiar? Où es-tu? Celui qui m'a appris à manier la lance, je voulais lui montrer tous les progrès que j'ai faits. Et malgré tous nos efforts pour le retrouver, je commence à croire que je ne le reverrai plus jamais. Assez, Charana, nous sommes en mission, je n'accepterai pas que tu te comportes comme une enfant. Désolé, commandant. C'est aussi valable pour toi, Alphonse. Que dirait Zachiar s'il te voyait dans cet état? Et que ta voix n'a même pas encore mué. Pardon, commandant. Si quelqu'un a des raisons d'avoir des regrets, ici c'est moi. Je suis votre commandant et vous êtes sous ma responsabilité. S'il lui est arrivé malheur, je devrais en assumer les conséquences et porter ce poids sur ma conscience. Alors n'oublions pas Zachira, mais n'oublions pas non plus les dangers qui nous guettent. La princesse Véronica prépare sûrement un nouveau mauvais coup. Devrions rentrer. C'était passionnant. Chapitre 9, l'évasion du héros, tout ça, je pense que ça va être passionnant, et puis on approche de la fin. C'est au moins ça, putain, j'ai hâte de recommencer le livre 2, et surtout le 3, qui maladroitement a plus avancé que le 2, enfin bref.